Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de séries Netflix. Enfin moi c'est 5 séries Netflix que j'ai réellement kiffé et que je vous conseille. Donc après, voilà, c'est avec ma sensibilité et c'est bon, des séries et des animés. J'ai pioché à peu près moi dans ce que j'ai regardé et ça a été des coups de cœur. Je devais écrire des articles et franchement j'ai eu la flemme. Et je me suis dit je vais en faire une vidéo parce qu'en fait c'est beaucoup plus rapide de faire une vidéo. Donc voilà. Et donc je vais vous donner tout de suite mon top 5 des séries Netflix et animés Netflix que j'ai kiffé donc pendant cette période de confinement. Et comme ça, si vous ne savez pas quoi regarder, malgré les milliers, enfin du moins malgré tout le catalogue que peut avoir Netflix, et bien vous avez des petites pistes. Surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, surtout sur Instagram où je suis le plus actif. Des fois je vous montre à peu près ce que je regarde comme série, comme animé ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas à liker. Et puis voilà, puis ça serait cool. Et puis aussi à vous abonner à cette chaîne. À vous abonner à cette chaîne parce que maintenant que j'ai du temps, je vais pouvoir réellement refaire des vidéos. Donc c'est cool. Dites-moi vous aussi dans les commentaires, surtout parce que ça c'est important. J'aimerais bien savoir vous ce que vous regardez comme série Netflix et qu'on puisse un peu échanger et voir voilà, si moi j'ai vu et si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. À la base, en cinquième position, c'était une toute autre série, mais j'ai vu cette série Unorthodox et je vous la mets en cinquième position. Esti, une jeune femme de confession juive ultra-orthodoxe, quitte New York pour vivre sa vie de femme libre à Berlin. Son mari, Yankee, tente désespérément de la retrouver avec son cousin, même s'il est conscient qu'elle était malheureuse. Dans cette série, on peut découvrir la culture juive orthodoxe et le combat de cette femme pour s'émanciper et s'adapter à la société. On découvre aussi les rituels et la pression mise sur les femmes juives. C'est une histoire tirée de la vie de Deborah Feldman, ce qui rend cette mini-série encore plus touchante. Je vous conseille cette série pour une immersion dans une autre culture et comprendre la culture juive orthodoxe. En quatrième position, c'est un animé. Elle s'appelle Backstreet Girls Goku Dolls et c'est un animé qui m'a réellement mais fait poiler de rire parce que la situation déjà de base est juste ouf et vraiment marrante et après tout ce qui est rebondissement, c'est juste ouf. Et voilà, et je vous conseille, je vous pitche ça donc là tout de suite. Pour les punir d'une faute, un chef Yakuza décide de forcer 3 de ses hommes à devenir un groupe d'idols. Et même s'ils ressemblent dorénavant à des jeunes filles en fleurs, leurs âmes seront toujours celles des Yakuza. Cette série est un pur délire. Je vous la conseille vivement si vous voulez passer un excellent moment pendant ce confinement. En troisième position, c'est aussi un animé qui m'a réellement séduit parce que déjà, premièrement, ça parle de jeux vidéo et ça parle de jeux de combat. Et si vous ne savez pas, enfin moi, je suis un gros joueur de jeux de combat et surtout de Tekken. Et réellement, sur des enfants et on les voit un peu évoluer, entre guillemets, on a vraiment un voyage du héros dans leur univers, dans leur scolarité et surtout dans leur compétition dans le jeu vidéo. Et donc ça s'appelle High Score Girl. Et je vous laisse découvrir donc là tout de suite. Excusez-moi pour la prononciation des noms. Haruo Yaguchi est un élève de primaire passionné par les jeux vidéo. Il passe d'ailleurs une bonne partie de son temps dans les salles d'arcade. Un jour, il croise par hasard une de ses camarades de classe, la populaire Akira Ono. Ensemble, ils jouent à Street Fighter et, contre toute attente, Akira bat Haruo à plate couture. Le lendemain, décidé à ne pas revivre ça, le jeune garçon change de salle et se retrouve à nouveau nez à nez avec Akira. De là, une histoire d'amitié et de rivalité commence. Un super bon moment pour tous les grands fans de jeux de combat et de belles histoires d'amitié et d'amour. En deuxième position, c'est aussi un sujet qui va venir réellement sur la chaîne et c'est surtout ce qui est donc communauté donc noire africaine, noire antillaise, noire américaine. Enfin bref, donc tout ce qui est donc au niveau donc de la culture black. Enfin du moins moi ce que j'en connais.
Et là, c'est une série en 4 épisodes. Ça s'appelle Self-Made. C'est une histoire vraie. C'est la première black, femme black à être millionnaire aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça, l'histoire, vraiment ouf. Son combat qui est vraiment ouf aussi. Et surtout ce qu'elle fait pour la communauté black. Et je vous laisse tout de suite avec le pitch. Après avoir bâti un véritable empire de la beauté, une blanchisseuse sans le sou devient la première femme noire millionnaire de l'histoire. On découvre ses combats, ses ambitions et le fait de réaliser ses rêves dans une société où la femme noire doit encore plus prouver sa valeur et sa résilience. D'après l'avis de Madame CJ Walker, c'est réellement une série bouleversante et qui prouve que l'on peut réussir ses rêves à partir du moment où on y croit et qu'on est résilient. Et là, ok, j'aime la culture black, mais j'aime aussi beaucoup la musique, et la musique c'est ma première passion. Et quand j'étais petit, je voulais jouer du piano. Et donc cette histoire, c'est le piano dans la forêt. Je trouve que vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet animé est juste vraiment magnifique. Déjà, l'histoire, elle est ouf. Comment c'est amené, les personnages, on s'y attache vraiment. Les références musicales, on a uniquement du classique. Et franchement, la morale de cette histoire, enfin, de se dire que n'importe qui peut réussir. Bref, regardez cet animé, Le Piano dans la Forêt. Réellement, c'est mon coup de cœur et je vous le conseille. C'est une pépite. Réellement, c'est une pépite. Shuhei et Kai sont deux garçons que tout oppose. Alors que l'un est le fils d'une bonne famille destinée à un avenir brillant, l'autre est le fils d'une prostituée à l'attitude plus ou moins désinvolte. Lorsque Shuhei emménage dans la ville où vit Kai, les deux vont se découvrir une passion commune, le piano. Et comme je vous dis, c'est un moment de pur bonheur. Et je vous invite réellement à regarder cette série. Voilà, c'est mes 5, mon top 5 de ce que vous pouvez voir sur Netflix. Et réellement, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve, je les ai vus, ça se trouve, je les ai pas vus. Ça se trouve, on peut en parler dans les commentaires, on peut en débattre. Et de toute façon, les commentaires, c'est là. Pour débattre à partir du moment où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de quoi que ce soit. Si tout est bienveillant, il n'y a aucun problème, on peut en débattre. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et puis surtout, restez chez vous parce que c'est super important. Et restez chez vous et regardez Netflix. Et puis voilà. Ciao, bon courage pour ce confinement. Ciao. We'll be right back.